Les arbres renferment beaucoup d'informations et il est possible de prévoir leur croissance, connaître leur histoire à travers le prisme du climat. Les scientifiques l'appellent dendrochronologie, une méthode de datation pour reconstituer les forêts. Dense en Afrique de l'Ouest, il y a encore quelques années, les forêts subissent d'énormes pressions qui peuvent être fatales. Il y a un problème de régénération au niveau des peuplements ligneux de ces écosystèmes. Quelles sont les causes, les origines de ce problème? Pour répondre à cette question, il nous faut reconstituer l'histoire des phénomènes écologiques qui ont amené à ce résultat afin de proposer des approches de solutions. En proposant de travailler sur l'anatomie des cernes, la démographie des populations d'arbres d'Afrique de l'Ouest, l'impétrant vise un objectif fondamental. La sous-région de l'Afrique de l'Ouest constitue une zone d'importance capitale dans la lutte contre les changements climatiques à cause de l'intensité, de la densité des forêts que nous avons. Après environ 3 heures de présentation et de réponse aux questions, le jury a accepté le travail et attribué à l'impétrant le grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sciences agronomiques avec la mention très honorable avec félicitations du jury.